kile amylase salivaire. Donc je dis que quand vous voyez ACE dans un mot, ça signifie enzyme. Vous voyez ACE dans un mot, ça signifie enzyme. Hydrolase, bambi fait ça. Hydrolase. Qui transforme l'eau. Transforme l'eau. Ça casse. Ok. Lipase. Nous sommes de lipase. Ok. Et vous voyez ça dans l'examen. Zimase. Qui transforme lipide. Protéine. Enzyme. Ok. Dans l'organisme, le sucre de l'organisme s'appelle glucose. Ce qui brûle de l'énergie s'appelle glucose. Qui est le principe d'énergie? Et bien, parce que vous parlez avec nous, faites-moi ça. Oui. Glucide. Mais dans le pas de en glucose. En glucose. Il y a deux bagages qui stockent glucose dans le corps. C'est. Quoi? Le foie. Les muscles. Les muscles. Le foie stocke du sucre sous forme de glycogène. Il y a aussi les muscles qui stockent le sucre. On avance. Maintenant, on dit que les enzymes sont là pour transformer les substances. Donc, vous pouvez dire Métabolisme, c'est la transformation des substances dans l'organisme. D'abord, ça s'appelle comment métabolisme. Dans le métabolisme, il y a deux phases. Il y a soit catabolisme, bien soit anabolisme. Anabolisme ou catabolisme. Et catabolisme. La transformation des substances dans l'organisme. Des substances dans l'organisme. La synthèse des substances s'appelle anabolisme. La dégradation des substances s'appelle catabolisme. Quand on fait synthèse, quand on fait dégradation, on peut appeler métabolisme. C'est quoi le métabolisme? C'est la consommation des substances dans l'organisme. La synthèse des substances dans l'organisme s'appelle métabolisme. La dégradation des substances s'appelle métabolisme. La synthèse des substances dans l'organisme. Catabolisme. Pourquoi me fixe ça même en plus? Allez, allez, allez.
Oui. Et qui boca pour elle? Si on t'a fait un petit, qui boca pour elle? Non, bouche petite. Ah, bouche, bouche, bouche. Non, bouche, ça va passer? Oui. Bon, le coup de monde. Et là, pour un peu. Et on va, c'est bon. C'est bon, 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 et aussi contre l'oxydation. Maintenant, il y a trois types de vitamines. Deux grands types de vitamines. Soyons. Deux grands types de vitamines. Indispensable pour le fonctionnement de l'organisme. Vitamine liposoluble et vitamine hydrosoluble. Vous pas définir ça. Maintenant, on a les noms. Vitamine liposoluble, c'est vitamine soluble dans les graisses. Vitamine hydrosoluble, hydrosoluble. Oui, soluble dans l'eau. Premier, ça pourrait être les yeux. Il agit aussi sur la croissance. Mais si on a bon, on a les bagailles français, nous avons vision là-dedans. Automatiquement, c'est vitamine A qui est dans la tête. Vitamine A, vision. Il agit aussi sur la croissance, il y a notre bagaille. Mais premier bagaille là, c'est vision. Vous n'avez pas ouais bien, vous n'avez pas ouais même pas de seconde. Non, vous voilà dedans. Maintenant, pour vitamine D, depuis que vous êtes D, vous parlez de zone déformée, zone n'a pas dur, pas de seconde. Mais zone n'a besoin de zone dure. Automatiquement. Depuis que zone dure. Depuis que vous entendez, on parle de la fertilité, la reproduction, mon papa est petit, effectivement, on parle de la vitamine E, reproduction, stérilité, qui semble avec ça. Aux environs, stérilité, reproduction. Ça veut dire que, en effet, ça, on va mesurer les français qui n'ont pas le bon examen. Dès que les reproductions, automatiquement, on met des vitamines E. Et puis, la vitamine K, reproduction, stérilité. Et puis, stérilité. Technique facile. Ok? Je dis vitamine A en février, sous c'est ophtalmie. C'est ophtalmie, je demande. Non, je dis l'autre nom et puis je te dis, pour définir, carence en vitamine A. Et puis après ça, je demande si toutefois on a fait la c'est ophtalmie, et qui vitamine est doué pour lutter contre lui, c'est vitamine A. Et après ça, je demande les sources de vitamine A. Vitamine A. Exactement.
Exactement. Donc, d'abord, il est En juillet, il était basé sur vitamine B12. Il demandait deux fonctions. Vitamine B12. Vitamine A, vitamine D, B3. B12. Ok, et puis pour les vitamines hydrosolubles, ce sont les B. B, C, B complexe. B, tout D, O. B, C, H. B, H, c'est le même B8. B8, B7, H, c'est la même chose. B, C, H. Ok, B, C, H, c'est vitamine hydrosolubles. C'est-à-dire soluble dans l'eau. Vitamines solubles dans l'eau, ça fait, ce sont les B, C, et puis on a les rapidement pour la vitamine A, mais avec les détails. On a les pour les détails. Mesdames, suivez. Les détails. Oui. Comment ça? Oui. Pour les B. C'est pour infection. Lutte contre l'infection, etc. Maintenant, pour les B, la majorité des vitamines B agit sur le système nerveux et la peau. À ce que la peau douce, éviter les boutons sur la peau. Ok? Les vitamines B agissent sur la peau et des peaux, c'est les vitamines B. Permet le fonctionnement du système nerveux, permet de bien réfléchir, tout ce qui a rapport avec le système nerveux et la peau, ce sont les système nerveux. Sur les nerfs, ça fait parler de nerfs, ça fait parler du cerveau. Et troisièmement, on connaît rôle ou bien importance. Ok? Rôle. Comment? Maintenant, on a technique à quoi? Au lieu que vous étudiez au paquet de bagages, dès que vous prenez rôle, vous prenez carence. Voilà ce qu'il y a pour vous. Dès que vous dites qu'on est le soleil, parce que technique est fort. Dès que vous prenez tout qui sale, vous dites ça le bon, s'il parle à toi, vous prenez tout ça le bon, si ça va là. Ok? Si nous disons ça, sur la vie, ça nous permet de bien voir. Ah, mais s'il parle là, s'il manque évidemment, ça va. Avec la cité, automatiquement, vous prenez la cité. La réunion de chimie, la réunion de méthanol. Vous dites ça pour vous, quand vous étudiez? Ok? Maintenant, on ne parle pas avec S, contre nous. C'est la technique, c'est la méthode. Et parce que vous pas connu, vous pas connu, ok, autre nom de la vitamine A, l'autre nom de la vitamine A,
Anti-séophthalmique. Tout là, n'a pas joué de droit. Si vous êtes dans le papa, vous retinol, retinal, aseptol, aseptal. Ah, vous mettez. Vous ok. Retinol, retinal. Ah, mon Dieu. Aseptol, aseptal. Retinol, retinal, aseptol, aseptal, anti-séophthalmique, anti-effet, anti-effectif. C'est pas que j'ai dit ça avant là. Quels sont les trois autres noms de quatre noms de la vitamine A? Retinol, aseptol, anti-séophthalmique, anti-effectif. Retinol, aseptol, anti-séophthalmique, anti-effectif. Source de vitamine A, m'en baille au mot qui lâche. Mais si vous avez des 10 là-dedans, vous pouvez plus que 10. Et vous dites fruits jaunes. Fruits jaunes. Si vous avez des sources, maintenant, vous pouvez vous dire fruits jaunes. Vous pouvez vous dire fruits jaunes. Vous pouvez vous dire fruits jaunes. Vous mettez J fermé, mettez lettres. Il va pas parler. Mettez œufs. Mettez légumes. Et vous finissez. Vous finissez. Paquet de légumes. Choux et légumes. Et les nains. Et les nains. Et les légumes. Ah, waouh. Ce sont des. Il y a aussi la viande. Viande matérielle. Viande. Ça c'est technique, ce sont des moulages. Moulages, oui. Bah ça c'est juste pour enlever dans une bagage. Ce sont des bagages. 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 Ce sont des bagages.
dans telle vitamine qui a dit yo aliment en premier cercle qui a dit en premier cercle même si c'est en 10e la plaque même ça c'est pas ça qui est plus OK mais un de toi capable en premier mais la plaque c'est on va y en haut mais la plaque c'est monsieur mais plaisir on va y en haut La vitamine A permet d'avoir une bonne vision. Qui a un visuel? Avoir des troubles visuels. D'accord, t'as compris là? Ok? Permet le mauvais fonctionnement de la vision. D'accord, mais t'es compris là? D'accord? Vision, infection. Le premier c'est vision. Infection, croissance. Infection. La vitamine A aussi agit sur la croissance. On y va. Le premier dans les carences, L'atrophie de l'œil, l'atrophie de l'œil.
Diminution, est-ce que c'est la vision? Diminution de la vision, c'est espéranopie. Maintenant, espéranopie, c'est perte de la vision crépusculaire. Espéranopie, perte de la vision. Diminution de la vision. Diminution de la vision. Maintenant, pour espéranopie, c'est perte de la vision crépusculaire. Je vais dire la même chose. Maladie des yeux causée par l'utérance de vitamine A qui provoque perte de la vision crépusculaire. Maintenant, est-ce que ça va pour maladie héréditaire? Est-ce que ça va pour maladie héréditaire? Oui, il est capable. Ok? Mais pas. Il y a oui, donnez-moi un crépuscule. La fée noire. Exactement. Mm-hmm. Par exemple, nous presque arrivés dans le crépuscule là-bas. Okay? Entre le jour et la nuit. Par rapport au crépuscule, ça qui est dû jour et nuit avec l'atmosphère. Fait un espéranopie. Oui. C'est tout ce qui va avec les
ça mais monsieur dit ouais mon cher monsieur pas gagner mais ouais il dit ouais vous allez maintenant la vitamine D on est passé même malayo contenant sauce il y en a livre Wall, bon, on va passer à l'aller.